Bonjour à vous, cher auditoire, c'est Mister Moustache en direct de Ankarak et de Minecraft. Quand on s'était quitté, nous étions arrivés au fort Harvard ou Ovar, je sais plus, et nous avions tenté d'aider ce Onas là, cette espèce de pégu paysan horrible qui nous demandait de la laine à ses moutons qui sont complètement chauves. Donc forcément, c'est très compliqué. Et donc, nous avions décidé d'explorer un petit peu plus le fort. Nous devons toujours parler au chef du village afin de savoir exactement quel est le but de notre vie. Parce que là, pour l'instant, on n'a pas vraiment de but à part aider les pecnos. Bonjour, voyageur. Je suis Tavik, le fermier du fort. Oui, est-ce que vous avez besoin d'aide? Super. J'ai besoin de remplir ce seau de lait. Pourriez-vous m'aider? Pas de problème. Je vous remercie, voyageur. Ah, ça, c'est très simple. Où est le seau? Non, par contre, il faut juste que tu me dises où est le seau. Il est dans ta maison? Non. Il faudrait que tu décores un peu plus ta maison, mon ami. Est-ce qu'il m'a donné un seau? Il m'a pas donné du tout de seau? Il est opiomane, celui-là, encore! Ah, mais c'est moi, avec mes bottes, qui fait ce bruit infernal quand je marche. C'est insupportable! Oh là! Je prends tout ça. Tout ça, je prends. Et mon inventaire est énorme. Moi, je veux bien les porter, mais... Ça fait un bruit un peu insupportable, c'est pas grave. Quel seau? Où c'est que tu vois un seau? Il faut que je te le fabrique, c'est ça? Oh là 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 là! Très bien. On va lui fabriquer son seau. Et on va lui remplir de lait. Et on aura fini avec cette quête. Complètement stupide d'ailleurs. Viens là, ma vache. Merci. Ok. Merci beaucoup, voilà pour vous! Qu'est-ce qu'il m'a donné? Il m'a rien donné. Il m'a donné ça, le chapeau? C'est une blague, tu m'as donné ton chapeau? Mais c'est quoi ces récompenses de pecno? Les moutons n'ont toujours pas mangé. Ça devient vraiment intolérable, là. Manger! Pitié, mange... Oh oui! Oh merci, mon petit ami! On en a 15, il nous en manque un. Ah mais lui! Ah non... Mais ils vont bientôt tous manger, j'imagine. Oui. Ah, mais toi, t'es un vrai, toi. Toi, tu es un vrai. Ok, on a fini. On a fini, tiens. Prends tes laines et ne parle plus. Merci pour la laine, je vais pouvoir travailler depuis mon lit. Ok, bon, ils nous donnent tous à chaque fois leur pantalon sale, pas lavé depuis 100 ans. Bon, il faut qu'on trouve le chef du village. Où est-il? Est-ce qu'il est ici? Ah mais d'accord, mais en fait... J'ai déjà mieux. Bon, on va prendre ça. Ah mais non, mais ça prend trop de place, les soupes de champignons, donc je vais pas les prendre. Ça, on a déjà. Et on va prendre le bois, puisque... c'est jamais perdu du bois, j'imagine. Les bâtons. Non, j'ai pas besoin des bottes. Merci. L'épée, je vais la virer. La pioche aussi. Qu'est-ce que je peux enlever? Ça, c'est bon, j'ai pas le cuir de toute façon. Ça, non. Toute la laine, c'est bon, j'en ai plus besoin. Ce bloc, voilà, qui est tout seul, on s'en fout. Et ça aussi, parce que c'est bizarre, c'est complètement posté. Oui, bah je te donne des choses. Arrête. Ça va. Bon, je pense que le chef est dans cette espèce de bâtiment un petit peu classe. C'est ce que les chefs font normalement, ils se mettent dans le plus beau bâtiment. Bonjour. Approchez, jeune ami, j'espère que l'on vous a bien accueilli dans mon fort. Dernier lieu de l'influence de Seth. Oui. Vous ne savez pas qui est Seth? Oula, mais dans quel monde avez-vous vécu? Vous devriez aller à Munat, un petit village à l'est d'Ankarak. Vous trouverez peut-être des réponses si vous en cherchez. Qu'est-ce que vous dites? Du moins, j'imagine. Prenez ce qu'il vous faut avant de partir par la mine au sud du village. Je vous offre même les chevaux si vous voulez. Par contre, si vous voulez de l'équipement, va falloir vous le faire vous-même. D'accord. Vous m'avez donné quoi exactement là? À les coordonnées, allez à Munat. D'accord. Eh bien, merci. Que fait cet homme? Monsieur le chef, Irisnet, il y a un homme mort quand même dans votre établissement. Viens de me concocter une petite bébite. Je vais aller dormir un peu, je pense. Voilà, qu'est-ce que je disais? Ils sont tous alcooliques. Qu'est-ce qui se passe? Ne pas connaître mon talent, c'est faciliter la réussite de médiocres. Non! Oh mon dieu! Ah, c'était affreux, il nous faut un cheval! On va prendre le plus habile. On l'entend encore dehors, là.
C'est affreux. On va prendre ce cheval. Hop. On l'appellera Ligato. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne veux pas? Ah, il faut que je l'apprivoise d'abord. Attendez, non, reviens. Ne t'inquiète pas, tu es mon ami. Je te brosse. Non, tu es mon ami, j'ai dit. S'il te plaît. Arrête! Sois mon ami! Tu n'as pas le choix, de toute façon, je vais insister jusqu'à ce que tu sois mon ami. Ah, il fait non de la tête quand même, hein. J'ai l'impression qu'il n'a pas envie que je sois son ami. Je crois que c'est bon. Non! Arrête! Ah, c'est bon. Tu vois, pourquoi tu étais méchant comme ça? Tiens. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça c'est... Ok, ça. Viens là. Allez. On a un cheval, il faut qu'on aille aux mines, c'est ça? Ça va être de l'autre côté. Il a une autre quête, lui? J'ai besoin de remplir ce seau de lait, pouvez-vous m'aider? Mais non, jamais de la vie, je veux plus. Je suis pas votre larbin. Ok? Qu'est-ce qu'il y a dans ces coffres? De la pierre. Ok. Et donc, dans les mines... Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Hé, hey, t'es qui, toi? Je suis un voyageur. Moi, c'est Nipple Nain... pardon. Moi, je suis Nipple Nain le mineur. Je ramène des sources fort. Un nain mineur, c'est un peu cliché. Allez, ramène-moi 20 minerais de fer, humain. Et plus vite que ça, sinon je te fouette. Oh là. Calmez-vous. Mais... Pourquoi on est les larbins dans cette aventure de tout le monde? Je trouve ça un peu fort de café, quand même. Bon, là, il y a du minerai. On va le miner. On va s'exécuter, vu que sinon, il va nous fouetter. De toute façon, 10, c'est pas... Non, il a dit combien? 20? J'en ai 15. Ça va pas durer très longtemps. Hop. Nous voilà avec 15 minerais. 20 minerais, pardon. Hop. On va passer par là, et on va lui rendre le minerai. Voilà, calme-toi. Calme-toi, Ligato. Je suis fougueux. Nanana. Oui. 20 minerais de fer, bah... qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Oui. Iron ore. C'est ça. Au revoir. Vous êtes possédé par le mal. Très bien. C'est pas grave. On a 20 minerais de fer, on lui donnera plus tard. J'ai l'impression qu'il n'en veut pas, de toute façon. Donc nous arrivons. Oh mon dieu. Une espèce de jungle. On va visiter cette tour. Infernale. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien du tout. Il y a une espèce d'oiseau qui souffre, je pense, quelque part, qu'on entend. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Oh là là! Non, pardon. Oh là là! Pouvez-vous m'aider? Mon navire s'est échoué sur la côte au nord! Pourriez-vous me ramener mon précieux outil qui est à l'intérieur? Je change un peu la voix parce que c'est vrai que je fais tout le temps la même voix pour les nanas. Attendez, quoi? Pouvez-vous me ramener mon précieux outil qui est à l'intérieur? Mais... oui? C'est échoué où? C'est-à-dire que moi, je ne suis pas devin non plus, il faut m'aider un peu! Est-ce qu'on resterait pas sur la route? Histoire de ne pas se perdre. Voilà. Restons sur la route. Et on doit aller Muna. Ok. Oh là, il y a un perroquet pigeon. On les connaît, ceux-là, il faut pas s'en approcher, ils attaquent. Ils sont féroces. Mon dieu, c'est magnifique. C'est magnifique, cette jungle. Qu'est-ce qu'elle veut, elle aussi? Bonjour, mon épée s'est brisée, pouvez-vous m'en apporter une nouvelle? Mais attendez, mais... Bah, j'en ai une, mais c'est la mienne, quoi. Bon, tenez. Ah oui, tenez, j'en ai une. Ah, peut-être que sur le cheval, ça ne marche pas. Non, tenez. Mais ils sont complètement fous. Quête complétée. Oui. Parce que j'ai une épée. Prenez-la, de toute façon, il n'y a pas de monstre, donc qu'est-ce que vous me faites chier avec votre épée? Bon, je me casse. Vous êtes tous déviants dans cette aventure, c'est fou. Il va très vite, ce cheval. C'est un fier destrier, hein. Il s'appelle pas encore Ligato. Enfin, de manière officieuse, il s'appelle Ligato. Et qu'est-ce que... Oh mon dieu. Je sens que ça va barder ici. Alors... Et promise par là le fort Ovar et Muna. Donc nous on doit aller à Muna, donc prendre cette route et non pas aller ici. Attendez, je vais quand même explorer cette... Il y a un magnifique pont ici. Je vais quand même explorer ça et voir Rivael. Et il paraît qu'il existe une gemme qui est cachée à la source de la rivière en contrebas. Mais j'ai peur d'y aller, pourrez-vous y aller pour moi? Mais je crois que ces gens-là ne sont... Bon, ça va nous faire un peu d'action si on y va.
Ah, mais c'est en contrebas, c'est-à-dire... Ah oui, d'accord. Donc vraiment tout en bas, quoi. Est-ce que ça serait pas un peu d'action, tout de même? Pimenter un peu tout ça. Moi, je veux bien t'aider, mon ami. Est-ce que je l'ai pris, cette quête? La gemme oubliée. Oui. Bon, allez en contrebas, on va laisser Ligato ici. Et on va pas sauter, quand même, parce qu'on n'est pas fou. Mais on va essayer de trouver un endroit pour tomber. Genre là, Yann. Ça va être une grotte où je m'y connais plus. Bon. C'est pas du tout une grotte. Je vais peut-être remonter pour lui demander des indications, hein. Parce que là, c'était pas clair et je n'ai rien compris. Et au pire des cas, si on trouve pas, on lui dit la bise à l'œil et puis on se barre, hein. On n'a pas que ça à faire, on doit savoir qui est Seth. Apparemment, ça a l'air d'être un méchant puisque il avait l'air inquiet quand il a parlé de ça. À la source de la rivière. Ah bah d'accord, soyez plus précis. La source, c'est par là. Ça doit être tout là-bas. Ok, on va y aller. Parce que ça m'a l'air intéressant quand même. Je pense que c'est une quête intéressante où il va y avoir du grabuge. Je sais pas, genre, ramenez-moi 10 poils de yak et tressez-les et puis faites-en un collier, quoi. Ce genre de choses. Alors attention, on va faire un saut exigeant. Ah, voilà, histoire de pas se mouiller. On arrive bientôt à la source, j'espère. Puisqu'on monte dans la montagne et que les sources sont souvent en haut des montagnes. Hop. C'est parti. On entend la petite source et les petites gouttelettes qui nous mouillent la moustache. Regardez-moi ça, ces petites gouttelettes. Hop. Ok. Oh là, je suis tombé. Allô. Donc ça, c'est la source, on est d'accord. Ah. Ok, il a fallu que je me mouille parce que... Ok, ici... C'est une grotte, c'est ça? Non, il faut que je monte encore. Il faut que je monte cette... Cette rivière. Ah non, mais en fait, c'est beaucoup trop loin. Mais il est immense, ce monde, en fait. En tout cas, c'est magnifique. Tout ça pour cet homme, finalement, que je ne connais pas. Je vois pas pourquoi je me mouille, littéralement, pour son bon plaisir. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'est du sable. Je crois que nous allons mourir. Oh mon Dieu. Ok. Là, c'est la source. On peut pas aller plus haut. Donc la gemme devrait être ici. Mais il n'y a rien du tout! Elle est où, ta gemme? Oh non! Pourtant, mais regardez, c'est quoi ici? Est-ce que c'est le fort Ovar? Je crois que je suis retourné au fort Ovar. Mais c'est terrible! Est-ce qu'on se confectionnerait pas un petit bateau et on descendrait tout ça en rafting, histoire de faire passer le temps? Et que ça prenne moins de temps surtout. On va faire ça. Je vais prendre du bois de jungle. J'ai mon établi. Hop. Et on frappe un petit bateau. Hop. On va descendre tout ça en bateau pour aller beaucoup plus vite. Je vais manger aussi. Et c'est parti. Hop là. Ah. Ah. Ok. C'est d'accord. C'est non. Ok. Très bien. Bah super. Je n'ai pas trouvé ça. J'aime. Je suis désolé. Hein, j'ai cherché vraiment toutes les sources. Je peux pas mieux faire. Véritablement. Hein. Je ne peux pas mieux faire. Allez, c'est parti. Un peu de rafting. Hop là. Descente. Nyaaaah. Oh là là. Regardez-moi ça. Incroyable. Incroyable descente en rafting. Bon là par contre on va être bloqué. Hop. Et on va recommencer. Hop, ici. Voilà. Exactement. On va beaucoup plus vite comme ça. On va finir à pied et tant pis pour sa gemme à l'autre malade mental. Je suis désolé mais je ne sais pas. Je ne sais pas, je suis allé à la source et on a perdu bien assez de temps comme ça.
à trouver une gemme qui ne nous intéresse pas du tout. Et sa récompense, ça va être, vous savez, je ne sais pas, un livre ou sa crotte de nez. Bah vraiment, c'est de ce niveau-là, hein, j'ai l'impression, les récompenses. Hein. Hop. Ok. Et donc, Beru, ou Baru, ou je ne sais quoi, vient la finale du gâteau. Muna, pardon. C'est par là, donc nous allons nous diriger par là. Voilà. Ok. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est le chemin, d'accord. En fait, le chemin serpente. Je vois des cultures. On doit pas être très loin du village, du coup. Ça doit être ça. D'accord, c'est un village de clochards. D'accord. Oh non, en fait, c'est très joli. C'est un peu un cas. Jacob. Hé, hey, vous, là-bas. Je vous en aide. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Ma petite fille est descendue seule dans la mine du temple depuis 2 jours. Oh, un temple. Et elle n'est pas remontée. Personne ne veut aller la chercher. Il paraît qu'il y a un monstre créé par Seth au fond de la mine. J'ai besoin d'aventuriers comme vous pour sauver ma petite fille chérie. Équipez-vous bien avant d'aller dans la mine. Il ne faudrait pas qu'il vous arrive quelque chose. Enfin, un peu d'action dans cette aventure. Cher auditoire, c'était Mister Moustache en direct de Minecraft et de la map Ankarak. Je vous dis à très bientôt, on se voit quand on se voit. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Bye.